Entre le bien et le mal, ne perds pas tes valeurs même si tout va mal. Le temps guérit tout malheur derrière les nuages. Se cachent les rayons du soleil à l'ombre de mes pages. Ma plume prend de l'âge. En voyant ce qui se passe autour de moi, je crains le pire. Bonjour les amis bouddhistes. On se retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va tirer. Yes! Donc voilà. Donc, comme c'est marqué dans le titre, c'est une vidéo inédite. Ça a été fait par personne. Je serais le seul malade à la faire, si on pourrait dire. Voilà, j'aime prendre des risques, parce que je vous le dois, parce que c'est ça qui marche, c'est ça qui vous fait plaisir. Et surtout, je vous le dois pour vous remercier, parce qu'à l'heure actuelle où je vous parle, nous sommes le jeudi 21 octobre, et nous avons réussi à monter à 433 abonnés sur YouTube. J'ai passé la barre des 2000 abonnés sur TikTok. Et j'ai une vidéo sur TikTok qui a passé les 220 000 vues. Donc c'est énorme. C'est simplement énorme. Mais tout ça, c'est grâce à vous. À vous qui regardez mes vidéos, à vous qui laissez des pouces bleus, à vous qui partagez mes vidéos et qui en parlez autour de vous. Donc ça, le travail, c'est vous qui le faites. Et ça, je vous en remercie. Parce que j'oublie pas que sans vous, je ne suis rien. Je me fais plaisir à acheter des boules, comme je dis tout le temps. Moi, je me fais plaisir à acheter des boules. Et voilà, j'essaie de faire les vidéos au plus propre possible. Juste avec un téléphone portable, c'est pas évident. J'essaie de faire ce que je peux. En tous les cas, le travail, c'est vous qui le faites. En parler à droite, à gauche et tout ça, je reçois énormément de messages, de sympathie, d'encouragement. Et qu'on me dit, bah, continue, continue, parce que c'est bien ce que tu fais. Donc franchement, c'est très encourageant. Et ça, je vous en remercie les amis, parce que ça fait chaud au cœur. Je manquais de confiance en moi. Plus les jours passent, plus j'en prends, et surtout avec vos messages, bah, vous me régalez, et voilà, je me dis que bah, voilà, j'ai pas le droit de lâcher. Et maintenant, bah, on va essayer de faire le vide dans la tête pour être aussi fort à l'entraînement et en concours. Parce que bah, voilà, je continuerai ma course au titre. Et voilà, c'est ce qui me manque. Essayer de me mettre un petit titre dans la poche, c'est ce qui me rassurerait avec tout le travail que je fournis. On verra bien si on y arrive. En tous les cas, moi, je vais vous laisser... profiter de cette petite vidéo. Donc oui, effectivement, il y aura des coupures, parce que bah, je peux pas le tourner en une fois, j'ai pas trop mal tiré, j'arriverai sûrement pas du premier coup. Donc oui, il y aura des coupures, mais le but, c'était un petit moment d'humour. J'espère que vous allez vous régaler. On se retrouve à la fin de la vidéo. Sur ce, faut aller au travail. Alors bien sûr, non les amis, ce n'est pas ça le truc de malade. Je vais faire plusieurs ateliers et je vais monter en niveau petit à petit. Donc rassurez-vous, ça c'est une petite mise en bouche. Après nous allons prendre l'apéritif. Après nous prendrons l'entrée, le plat et le dessert. Donc surtout, régalez-vous les amis. Allez, à mon tour d'aller travailler. Depuis que je t'ai croisé, tes carreaux, je peux plus m'en passer. Apéro. Ce que j'aime chez toi, c'est que tu me comprends. Tu me regardes et tu vois quelque chose en moi que les autres ne voient pas. Tu es mon échappatoire au stress. Bon. Je prendrais bien une petite entrée après l'apéro, moi. Je les vois jalousés, j'ai pas le temps de calculer. Laissez-moi, je vais prouver comme je l'avais jamais fait. Bon, on va passer au plat, les amis. Et puis comme la plupart de mes abonnés ils le savent, hein,
Je suis un fan à la raclette, j'adore ça. Je le fais ou pas? Je le fais ou pas? Je le fais ou pas? Fais-le, fais-le, fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le. Fais-le, fais-le. Allez, c'est parti pour le dessert. T'as cru que c'était fini, hein? Eh ben non! Ouais, les amis, la dernière. On va prendre un petit pouce après un joli repas comme ça, quand même. On va pas se quitter là-dessus, quand même. Allez, on se prend une petite poire. Bien sûr les amis que c'était pas terminé. Comme on sort du restaurant, faut quand même ranger sa chaise quand même. On va pas partir comme des voleurs. Le plus important, quoi qu'il arrive, reste ce petit groupe d'humains autour de moi, réunis ici, en cet instant. Salut, mes familles. Salut. Et ben voilà, c'est l'heure de la dernière. Donc ça, ce qu'il y a sur la table, et ben c'est censé représenter un poteau, parce que je vous aime les potes. Sans vous, je ne suis rien. Donc voilà, donc ce sera la dernière petite coupure, et après je vous reprends. Il a un grain le mec. Ah ouais. Ah je vous l'avais dit que c'était inédit. Eh ouais. Ah, je pense pas en avoir dû déjà avoir vu des personnes qui tiraient sur l'appareil à raclette. Ça, il n'y a qu'un seul mongol. Et c'est Bibi qui l'a fait. Et ouais. Donc voilà, donc ouais, je me suis amusé. Voilà. J'espère que vous vous êtes régalé à regarder la vidéo. Je pense qu'il y en a certaines personnes qui ont dû bien rigoler. Mais bon, moi j'ai une petite phrase à vous dire les amis. Avant de continuer à parler. Sachez que le ridicule ne tue pas, mais les critiques rendent toujours plus fort. Voilà. Une fois que moi, je me suis mis ça dans la tête, et ben, je vais le poisson qui tape dans tous les sens et je vais te faire le con partout. Voilà. Donc vous comprendrez aussi, si vous redescendez les vidéos un peu plus bas, comme quoi qu'avec la famille Pierre, je me suis bien régalé. Parce qu'ils sont aussi fêlés que moi. Et ça, je les remercie les amis. Parce que c'est grâce à vous que je me suis débloqué. Dès le début, c'était sérieux. J'ai pas osé partir un peu en vrille. Et c'est grâce à Cédric qui a commencé à partir en vrille. Puis après, j'ai eu son frère, Thierry, qui m'a fait partir en vrille aussi. Et voilà. Et là, c'était un régal. Et là, j'ai pu me lâcher. Et là, j'ai pu vous proposer des vidéos que jamais j'aurais pensé faire. Voilà. Donc ça, les deux potes, je vous en remercie. Après voilà, donc ouais, c'était une petite vidéo inédite, donc je vais essayer de refaire des vidéos, mais c'est pas évident avec le temps, c'est le là il commence à cailler sévère, les mauvais temps, la pluie, l'hiver, ça va être compliqué. Mais en tous les cas, moi les amis, je voulais vous remercier, parce que on a atteint quand même des sommets, hein. Pour une petite chaîne comme la mienne, j'ai déjà des vidéos qui sont à plus de 4000 vues, donc ça c'est grâce à vous. Et on a réussi à atteindre les 433 abonnés sur YouTube, les plus de 2000 sur TikTok, une vidéo à plus de 220 000 vues sur TikTok, c'est énorme. On a eu une vidéo pareil short sur YouTube
qui a passé les 2200 vues. Donc c'est plutôt pas trop mal. Comme quoi qu'il y a du passage sur la chaîne. Donc voilà. Donc moi je reviens, j'essaierai de revenir très vite pour vous faire une nouvelle vidéo. Mais là, je voulais faire une petite vidéo humoristique, voilà. J'avais pas trop envie de me prendre la tête. Comme vous pouvez le voir à mes yeux, je suis énormément fatigué. Donc voilà, je voulais faire un petit truc détente, voilà. Parce que personnellement, pointer aujourd'hui, ça me disait pas. Hein, on a vu les dégâts que ça a donné mercredi. On va attendre un peu. Hein. On va essayer de se remettre en forme avant. On va prendre un peu plus confiance au tir et puis on verra le point après. Dans tous les cas, je lâcherai pas. Parce que ça part de là aussi le progrès. Le progrès passe par là. À aller dans la douleur. Continuer à souffrir. Voilà. Moi, c'est le point qui me fait énormément souffrir. Mais bon, je continuerai à m'entraîner. Je vais m'entraîner. Jusqu'à un jour que j'arriverai à faire tous mes défis. Et là, je serai au top. Bon, en tous les cas, les amis, je vais vous faire des gros bisous. Je vous fais un gros pouce bleu à vous parce que sans vous, je suis rien. Je me répète, mais sans vous, je suis rien. Donc voilà, les amis. Je vous fais un gros bisou. J'espère que vous êtes régalé à regarder la vidéo. Si ça vous fait rire, partagez-la avec les amis. Parce que si vous avez rigolé, peut-être qu'eux, ils vont rigoler. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et puis, par la même occasion, n'hésitez pas à parler autour de vous, de ma chaîne YouTube, ce que je fais. Parce que si on peut récupérer un peu d'abonnés, on s'en rapprochera des 1000. Et aux 1000, je pourrais discuter en direct avec vous. Je pourrais me connecter, faire un direct et puis on pourra discuter ensemble, on pourra passer peut-être une heure ou deux à discuter pétanque, à discuter mes projets vidéo et voilà, et c'est le but ultime en fait que j'essaie de faire. Voilà, une fois que j'aurai passé les 1000 abonnés, voilà, après on est carré, il se passe ce qui se passe, c'est pas grave, on s'en fiche. Moi, mon plus important, ce qui me tient à cœur, c'est d'arriver à 1000 abonnés pour pouvoir faire des lives. Comme ça, on peut se dire, admettons, allez hop, tiens, on se cale, allez hop, un petit horaire, un dimanche après-midi, 16h ou 17h. Et voilà, je me mets dans le canapé, on bavarde un petit coup ensemble, on passe un petit moment, on échange par rapport à les vidéos qui sont passées dans la semaine, ou les vidéos précédentes, ou les vidéos qui pourraient venir. Voilà, on peut discuter de tout n'importe quoi. Et voilà, et comme ça, vous saurez comment je suis dans la vie naturelle. Parce que moi, je joue pas un jeu, je suis franc, je suis moi-même, voilà. Je prends plaisir à jouer à la pétanque, bon ou mauvais, après, à chacun sa critique, et voilà. Mais surtout, n'oubliez pas, le ridicule ne tue pas, mais la critique rend plus fort. Voilà les amis, moi je vous fais des gros bisous, vous êtes au top, c'est vous la famille, je vous kiffe, restez comme vous êtes, et surtout, prenez soin de vous, et à très vite.